demande, tu travailles seulement chez tes copines là avant qu'on ne voit pas le salaire de la maison aussi. Chaque jour, à peine tu as fini tes travaux ménagers ici, je pars chez mes copines. Tu peux pas t'asseoir ici. Tu as les chiens qu'on a seulement coupé la corde sur sa queue ou c'est comment? Ouais, tonton, pourquoi vestir ici, fait quoi? Il n'a pas fini de travailler. Mais vestir ici là, fait quoi? Donc, moi, je n'aime pas ça. Tu me donnes le préservatif. Tu me donnes quoi comme ça là? Ah, ok. Donc, tu sais au moins que c'est le préservatif, c'est ça non? Tu connais que c'est le préservatif. Tu lui donnes le préservatif pour qu'elle fasse quoi avec? Attends, elle croit que je suis bête. Blanche, je n'aime pas tes choses là. Eh. Cette fille est encore innocente. Comme tu ne veux rien faire, c'est ma fille maintenant que tu veux utiliser pour la prostitution jusqu'à lui donner les préservatifs, c'est ça? Tu crois que si moi on m'avait donné la possibilité de choisir ma mère, moi j'allais te choisir? Tu peux épouser la fille de Madame Nana Kamdoum. Mm-hmm. Tu peux même épouser la fille de le lion blanc à espoir pour changer aussi notre vie. Il n'y a pas que moi pour le faire. J'espère que tu sais que les maisons que tu entends souvent, tu vois, on écrit sur ça maison familiale, pas à vendre, maison familiale avec plein d'enfants là. J'espère que tu sais que les enfants veulent vendre toi à cause des parents comme t'as pas là. Oui, il y a quoi? J'ai un bon grand qui aimerait te rendre. Dieu, je suis un gars gentil, je ne dérange pas. Un grand gentil qui ne dérange pas. Petit. C'est elle que tu appelles Tuss Légère. Ouais, ouais, elle est bien, non? Donc, c'est ma propre petite soeur qui est la bonne fontaine du quartier. Mon fils Dominique, ça tombe bien comme tu es arrivé. Parce que je devais te chercher. Ah bon, maman? Il faut que tu dises à ton ami Black Oya qu'il n'est pas mon mari. Ce n'est pas parce qu'il est le seul garçon de la maison qui se comporte comme si. Parce que Black Oya me fait des choses que même mon défunt mari ne me faisait pas. Qu'est-ce qui t'a fait concrètement? Tu imagines que Black Oya donne le préservatif à la petite Sorel? Une fille innocente comme Sorel que même en route quand les garçons l'interpellent, elle prend la fuite. Mais comment il a osé faire un truc comme ça? Mais la fille, là, moi, je la trouvais bien. Elle ne me dérange pas. Je comprends pas comment est-ce qu'il peut lui proposer le préservatif. Papa. Mais c'est comme ça que les aînés font après mettre les idées dans la tête des enfants. Oh là là. Vraiment, il n'aurait pas dû. Une innocente comme ma belle. Black ose lui donner le préservatif. Il va me gâter l'enfant avant le temps. Non, il n'aurait pas dû. Vraiment, il n'aurait pas dû. Oh, je suis vraiment déçu. N'est-ce pas, te voilà, tu es en location. Il est là, il veut vieillir dans la maison. Et comme il est le seul homme ici, il veut imposer sa loi. Je dis non. D'ailleurs, j'ai pris une décision. Je ne lui donne plus à manger. Non, maman, ne va pas jusque-là quand même. Ne va pas jusque-là, s'il te plaît. Comment? Maman, il a besoin des conseils. Je vais lui en prodiguer un peu. Tu comprends, hein? Il faut lui parler. Parce que je risque de faire quelque chose qu'après, vous allez vous demander que mais la maman là a fait pourquoi. Et c'est lui qui m'aura pour ça faire. Calme-toi, maman. Je vais lui faire entendre raison. D'accord. Oui, je comprends. Oui, je vais essayer. Ok, à la prochaine. À bientôt. D'accord. Ma propre petite sœur, cuisse légère. Mais c'est une façon de dire que c'est une cuisse facile. À cause d'elle, j'ai perdu ma gourmette. Donc ma petite sœur, c'est le gâteau d'anniversaire où chacun mange un morceau. Cuisse légère, cuisse légère. Fille facile, cuisse légère. Cuisse facile, elle n'est pas là. Sors ici, tu viens. L'ange de sa mère, cuisse légère. Cuisse légère. C'est quoi? Cuisse légère n'est pas là. C'est ta part de folie qui a commencé. Est-ce que cuisse légère est là ou pas? Cuisse légère, c'est qui? C'est ta propre fille. Oh yeah. Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne tourne pas rond en toi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma tête? Le nom de ta fille, c'est cuisse légère. Tu as accouché ta fille, tu lui as donné les noms, les Sorel, les labels et tout. Maintenant, son vrai nom de baptême dehors, cuisse légère. Tu m'as dit comment ta fille, c'est un ange. Ta fille, si ce n'était pas que quoi, ta fille se couche à gauche, Marie va se coucher à droite. Hein? Tu as raconté comment, si Jésus n'était pas mort tôt, il aurait épousé ta fille parce que c'est un ange. Mais c'est un ange. Va au quartier demander donc son vrai nom. Si tu pouvais connaître qui est ta fille. Tu pourrais savoir que ta fille que tu vois là,
C'est le gâteau d'anniversaire, chacun mange un morceau ici au quartier. La bonne fontaine, le forage. Ta fille. Black Oya, je n'aime pas le sabotage. M'as-tu entendu? Je n'aime pas. Quel sabotage? Quel sabotage? Je n'aime pas, tu as compris non? Dis-moi, tu restes vivre avec ta fille. La vérité blesse, mais c'est la vérité. Va au quartier. Ta fille, c'est... Tu parles de quoi? Juste là, tu me dis que c'est sabot qui? Bon, la bonne fontaine. Un petit jaloux comme toi. Attends, jaloux de qui? Jaloux de qui? De la bonne fontaine du quartier. Non, voilà, on n'a jamais vu une fille venir ici te chercher. Jaloux de l'eau du forage. Jaloux de l'eau du forage. L'eau que dans les quartiers riches, ceux qui ont l'argent mettent souvent des yokes puisés pour rien. C'est ça que t'es jaloux. Vraiment. Mais ce qui te tue, c'est l'ignorance. C'est où j'ai dit que l'ignorance que tu vois là dépasse Covid-19. La vraie maladie du monde, c'est l'ignorance. Bonjour, maman. Hey, bonjour, mes filles. Vous êtes là? Sorel est là, maman. Sorel est sortie. Quand vous venez ici, vous appelez vos vrais prénoms parce que vous avez vu les parents. Hein? C'est ça. Alors que vous avez vos noms de baptême. Si Sorel s'excuse légère, son nom de baptême, c'est sûr que tu n'as pas ses pistes libres. Vous cessez d'être aide de jeu. T'as pas d'être petit golounzolo. Il faut laisser les enfants des gens tranquilles. Hein? Lesquels enfants? Lesquels tout? Je sais ce que tu appelles enfant. La compétition dans laquelle ils jouent, tu ne peux même pas. C'est que où sont les enfants là? Sora, c'est ton nom. Même le criquet me parle. Regarde, c'est hirondelle. Regarde, tu me parles. Grand Black, on te respecte énormément dans ce quartier. Donc je ne te permets pas que tu me manques de respect. Je dis que je ne te permets pas. Tu es notre grand frère. On te respecte. Et en retour, tu as le devoir de nous respecter. Parmi vous tous là, qui a le meilleur palmarès, c'est Sorel. Qui a le plus grand trophée? Qui tient le palmarès, le haut niveau? C'est qui? Nous, on connaît ce que vous faites. Si tu ne veux pas que le respect là finisse, s'il te plaît, respecte-nous comme on te respecte. Je ne ferme pas. Maman va partir. Il faut attendre votre copine. Asseyez-vous, vous l'attendez. Maman, ça va rester. Dieu seul sait le nombre de lits que vous avez dormi dessus. Et pourquoi? Regarde, regarde. Elles sont comme les criquets, hirondelles. Regarde-les debout. Avec ça, tu vois ta fille aura qu'elle a venu. Tu chasses les copines de ta soeur, pourquoi? Mais je dis, tu connais même, tu parles même de quoi? Tu connais ce que les filles font dehors? Elles font quoi? Elles t'ont fait quoi, Black Oya? Elles m'ont fait quoi? Elles t'ont fait quoi? Ah, je sais. Ce qui est sûr, c'est que le jour où tu sauras la vérité, la vraie maladie de ce pays, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Covid-19, là même, c'est même rien. Coronavirus, c'est rien. C'est l'ignorance qui est la vraie maladie de ce pays. Marcus! Ouais, elle n'accepte même pas. La nuit que tu viens, elle n'a même pas un bonjour. Il n'a pas de bonjour. Parce que le dossier est déjà fort. Le dossier est trop lourd. Le dossier? Comme tu entends là. Dis à ta fille Sorel de laisser mon homme tranquille. Sa fille Sorel a fait quoi? Oh Seigneur Jésus, je ne sais même pas là où je vais mettre la tête. Sa fille Sorel sort avec mon mari. Sorel sort avec ton fils ou bien ton mari? Ouais, Blanc, ouais, je ne suis pas une folle. Je te dis que Sorel soit avec mon homme, avec mon mari. Je n'ai pas encore agi. Parce que j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu es une maman qui ne dérange pas. Sinon, j'aurais déjà écrasé Sorel comme ça. Attends. Donc, ça veut dire que Sorel mange les non-mûres, mange les mûres, et moi-même, il y a ce qui est pourri. Oh, toi aussi, arrête ça. Attends un peu, Chantako. Tu sais que... Tu sais quoi? Il y a beaucoup de Sorel. Il y a une fille qui habite derrière. On te parle de ta Sorel. Oh, laisse-moi parler. C'est quoi? Je te disais donc que maman essaie de te calmer. Parce que tu sais, notre quartier, s'il y a trop le tcho-tcho-tcho-tcho-tcho. Oui. Tu sais qu'il y a une Sorel qui habite derrière l'immeuble du Blanc là, non? Peut-être que c'est elle. N'essaie pas de me distraire. N'essaie pas de me distraire, Marcus. C'est comme si tu as arrangé ça avec ta fille. Voilà. Sorel, c'est une enfant qu'on a couché dans mes bras ici au quartier. C'est ma fille. Donc ne fais pas comme si je confondais Sorel. C'est bel et bien de ton enfant, sa soeur que je parle. Tu sais de qui tu parles? Tu sais qui est Sorel? Tu parles d'une ange, d'une fille qui coûte Jésus-Christ comme ça, là, jusqu'à tu dis que... Tu vois même... Ange. La prochaine fois que je vais encore venir ici, Marcus, ça là, que vous appelez maison, je vais mettre ça à terre. Oh. Parole de Chantako. Faites vos choses là, vous partez, faites ça dehors. Hein. Ça, ne tente pas. Je ne veux pas que tu mon mari sur un lit d'hôpital. Je ne veux pas que tu mon mari sur un lit d'hôtel. Mais ça devient quoi ici au quartier? Vous êtes avertis, hein? C'est le dernier ultimatum que je te donne.
La prochaine fois, tu verras. Moi, je te dis ça. Si la vie, c'est pour être tué, c'est que ça t'a tué depuis. C'est pour être tué une femme dure, difficile. Tout ce qu'on fait, tu es résistante. Mais voilà ta fille, non? Ah, Sorel. Sorel va me tuer. Tu connais qui est Sorel dont tu parles? Hey, tu connais qui est Sorel? Je suis parti. Tu as vu le petit là qui est cool comme les gens qui ont vécu l'indépendance là, non? Oui. Je suis allé voir dans son snack aujourd'hui. J'arrive là-bas, il me sert une bière. C'est donc là où le petit me donne le vrai nom de ta fille, plus légère. Et c'est là où j'apprends que ta fille... Tu as vu le monsieur qui est à la laverie juste à côté là? Le vieux papa là. Avec le gros ventre là. Que le père là est même déjà fatigué avec, c'était sa serviette. L'autre. Comment est-ce qu'on appelle? Tu as vu le monsieur qui vient libérer les cartons ici, non? Le monsieur qui vient libérer les cartons ici, là. Le papa là qui est comme s'il a la lèpre. Ouais, mais tu sais comment le monsieur l'appelle? Le monsieur appelle ta fille que matelas certifié. Matelas national certifié. Donc il dort, quand il veut, il se relève. Ta fille, c'est l'axe loin. Chacun passe. Voilà l'ange qui est venu. L'ange est arrivé. Ne tape pas l'ange, hein. Ne tape pas ton ange. Quelqu'un qui écoute toi, Jésus-Christ. Assieds-toi là, hein. Assieds-toi là, Sorel. Voilà. Oh, Sorel. Il t'a dit que son nom, ce n'est pas Sorel. Son nom, c'est Cuse Légère. Il t'a donné son nom. Cuse Légère, ça va. Cuse Légère. Bonne Fontaine. Sorel. Eau du forage. Sorel, regarde-moi. Gâteau d'anniversaire. Quand tu sortais ici, les cheveux là étaient attachés derrière. Le rouge à lèvres là, tu as mis ça où? Ils ont laissé ça de transformation là. Mais il y a un beau, hein? Tu es beau quoi? Mais ce que moi je sais, c'est que l'enfant, la fille ne prend pas loin de la mère. La fille ne prend que les habitudes de la mère. Si on vérifie ton enfant, c'est ce que toi-même tu étais comme ça. Donc, entendez-vous maintenant, hein? Vous quittez la maison seule. Sorel, tu vois ce que tu me fais, Sorel? Sorel. Ma fille, regarde au vieux, la même moi ta mère, elle peut pas sortir avec elle. Sorel. Ah, que l'es-tu seule, c'est quelle honte que tu me donnes comme ça. Oui, maman. Maman, j'ai peur de toi. J'ai peur de toi, Sorel, j'ai peur de toi. Mais pourtant, je te crains maintenant, ma fille. C'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide.